Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Ancastari pour continuer nos aventures. C'est parti, donc j'ai vaincu 20 ennemis parce que j'ai été faire du coup ben, la petite caverne qui est juste devant nous. Et du coup, ben, nous allons faire... Alors terminer un univers simulé, c'est hors de question, par contre on peut faire un petit calice doré, du calice XP par exemple, vite fait quoi. Voilà, je suis pas sûr que j'ai bien choisi. Oh, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Un petit ulti, là, et voilà. Ah, les deux combinés peuvent être intéressants. Hein. Il y a moyen de faire un truc avec la préservation. Peut-être faire une petite team tank aussi. Ah, les gars, C'est possible, hein. Tout est possible. Ensuite, nous avons recyclé une relique. Je sais pas si j'en ai encore des faibles. Est-ce que j'ai des petites reliques qui servent pas à grand chose? Ouais. On va enlever celle-là, on va la recycler. Elle est où? Là. Nickel. Donc ça c'est bon. On est ok. On aura de quoi faire un petit peu aujourd'hui. C'est cool. On pourra faire 3 poules éventuellement pour essayer d'avoir Lucas. Essayez bien sûr. Hein, parce que non, le bougre ne veut pas. C'est horrible. Je sais pas pourquoi il veut pas venir. Et donc ça c'est la team que j'avais réalisée pour essayer de faire du coup la petite caverne de Corazon. Et c'est pas si mal. En vrai ça va. Ah c'est le retour de Aldeir. Aldeir. Ah. Bon c'est parti hein. Pas le temps. Hein. Non. D'ailleurs. Voilà. Où est-il? Là, le vieux monsieur. Un peu louche, hein? Et ça fait de bonheur. Ah, il est dur, hein? Allez go, on y va. Stockage. Et voilà, on va révéler la vérité à Aldeir. Adler, putain je dis Ah non. Aldeir, j'ai dit. Oh non, c'est Adler. Oh je suis matrixé, ça y est. Aïe ya. Alors, du coup, on a réussi. On va regarder un petit peu ben, ce qu'on peut récupérer, c'est-à-dire un peu de thunes et une sorte de braque mécanique. Super. Les informations. Alors, début test technique, hein, on sait ce qu'on avait eu dans les messages. Toujours la même, là, il n'y a pas grand-chose. Et du coup... Attention, est-ce que je vais avoir Lucas? Peut-être pas, hein. Eh ben voilà. J'ai ma réponse. Ah, j'en peux plus. C'est chiant. Franchement, en vrai... C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Oh, bon bah écoutez, voilà, hein. On est encore gâté, bien sûr. On est à... Ouais, bon, peut-être que dans 2 jours, ouais, je me prendrai le petit et on pourra refaire 2 poules, mais... Ah, y a rien de fou, hein, c'est horrible, on n'arrive pas à l'avoir. Hein.
Le contenu, bon ben ça, de toute façon, ça me l'affiche sur le côté. Hop, je le ferme. Au moins, je ne vois plus. Ouais, bah c'est bien triste, hein, on n'a toujours pas Lucas, donc bah, j'ai continué, bah, comme vous avez dit, hein. Là j'ai continué une petite quête de Todd, une petite quête de des mines, en essayant de compléter, bien sûr, avant au max, tout ce qui était du Luofu, à part tout ce qui va être quête compagnon. Bon, voilà. Donc, tant pis, on fera comme ça, il n'y aura pas trop de choix, mais bon, on verra bien ce que ça donnera... Si on va avoir Lucas, à force là, on le sent, hein, la 1-3 arrive très fortement, enfin très brièvement, plutôt bientôt, hein, très prochainement, c'était plutôt le terme. Mais c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est le fait d'avoir 240 pardon, de puissance pionnier, le fait d'avoir un nouveau personnage tank, enfin. Et un nouveau personnage préservation qui peut être intéressant vu que ce sera un castard. Normalement, être, je dis bien normalement, être supposé plus facile à choper qu'un 5 star. Je le vois bien avec Lucas. Mais bon, ça, c'est malheureusement la triste bannière de Kafka. Mais bon, on verra ça très prochainement. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur le castard. Et salut à tous.